Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel. Aujourd'hui on va parler de lumière volumétrique. On verra plus particulièrement comment faire ici une traînée de lumière attachée à cette ébauche de réacteur, de fusée, ce qu'on veut. Donc on va faire ça très simplement en utilisant des spots volumétriques. Donc j'ai ma scène de base, ça peut être n'importe quoi. Ici, je choisis spot. On obtient donc un spot classique. Je vais le faire tourner 90 degrés dans ce sens-là, de manière à ce qu'il corresponde à peu près à mon objet de base. Je sélectionne donc ma lumière et je vais dans généralité, type, à la place de spot, je choisis spot parallèle. Ça fait que j'obtiens ici non plus un cône, mais un cylindre. On le voit bien, le cylindre. Si je fais un rendu, ici, mon cylindre n'émet aucune lumière, aucune lumière visible, vu que c'est un spot classique. Ici, dans lumière visible, j'ajoute volumétrique. Et là, si je fais un rendu, on a déjà une traînée de lumineuse, blanche, pas très belle, mais elle est là. Mon objet, ici, mon spot parallèle, je peux voir qu'ici il y a une petite poignée qui est collée à l'autre, à celle qui indique la fin de la lumière. Je peux donc déplacer cette petite poignée, et là si je fais un rendu, ce qu'on peut voir, c'est que ma lumière volumétrique a énormément diminué. Donc cette poignée là permet de régler la longueur de la traînée. Ensuite ici, près du centre, j'ai encore une autre poignée que je peux agrandir. Je fais un rendu. Et là, on voit que d'ici jusqu'à là où j'ai placé ma poignée, la lumière est beaucoup plus intense. Et ensuite, la traînée se termine là où il y a cette poignée. Donc, avec ces trois poignées, je peux régler l'apparence de ma traînée lumineuse. Donc, ce qu'on va faire, on va changer la couleur de cet objet, de cette lumière. On va aller chercher dans les bleus, un bleu assez foncé, pas trop quand même. Voilà, ce bleu là. Ensuite, ce spot là, je vais le dupliquer. Donc je fais un contrôle, clique sur ma lumière, je déplace un peu vers le bas et je relâche. J'obtiens un double parfait de mon spot. Je vais le réduire un petit peu, ce double. Voilà. Je réduis également la distance de la traînée, je le déplace légèrement et je vais lui changer sa couleur, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Là, si je fais un rendu, on peut voir que ça ressemble déjà un petit peu plus à un réacteur. Cette lumière là, je la duplique encore, je la redéplace, je la réduis encore et là je vais prendre une couleur beaucoup plus claire. Voilà, je réduis aussi mes poignées, je fais un rendu. Et là, j'ai quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Ces trois lumières-là, je vais les regrouper et les déplacer de manière à ce qu'ils correspondent à mon objet de base. Ah, j'en ai oublié un. Voilà. Je fais un premier rendu. Et voilà, j'ai ma traînée lumineuse qui sort du réacteur. C'est parfait. C'est tout pour aujourd'hui.